Alors nous nous trouvons au sud de Bordeaux, dans la région des Graves, sur l'appellation Pessac-Léognan. Alors chose extraordinaire, c'est qu'ici la vigne a réussi à se faire vraiment une place au milieu d'un environnement très urbanisé. Oui, c'est vrai que c'est le contraste est saisissant avec les vignes du Médoc. Mais en fait, si jamais la vigne a réussi à être sauvée dans cet environnement avec autant de maisons autour, on est presque à la ville, proche de Bordeaux, c'est que forcément, le terroir ici était absolument exceptionnel. Alors aujourd'hui, nous allons rendre visite à un monsieur très important, un monsieur Duvin, qui a plus de 35 propriétés dans le monde et principalement en France. Oui, bien, cet homme, c'est Bernard Magret, qui est propriétaire, entre autres, du château Pape Clément, qui va nous expliquer les typicités de l'appellation Pessac-Léognan en général, mais surtout nous expliquer à peu près 6, 7 siècles d'histoire du château Pape Clément. Ouais. On devrait en savoir un peu plus, mais il va nous falloir plus de temps parce que 7 siècles, c'est long. C'est beaucoup. Monsieur Magret, merci de nous accueillir ici. Alors, tout le monde connaît votre nom. On vous connaît comme le compositeur de vins rares. Mais avant d'avoir appris à composer, vous avez dû, je crois, beaucoup jouer et apprendre à être vigneron. Quel moment de votre parcours, de votre vie, vous avez envie de partager avec nous pour vous faire comprendre ce que c'est que ce monde du vin? Il y a deux parties dans le parcours. Il y a les débuts qui sont les plus difficiles. Moi, j'ai commencé en 1960. À tenter de comprendre le vin en travaillant dans une maison de vin d'abord. Et ça a été un premier choc pour moi parce que j'ai constaté que ce n'était pas facile. J'ai constaté que le vigneron, c'était un artisan qui n'était pas maître de ce qu'il allait créer. La pluie, le gel, la grêle et tout le reste. Et quelquefois des erreurs aussi, alors qui sont attribuables à l'artisan. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné, qui m'a montré que ce métier-là n'était pas un métier facile. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des vins du Nouveau Monde, qui parfois sont plus simples à comprendre que nos vins, nous, ici en France. Quelqu'un qui découvre un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, en quoi est-ce qu'il va être différent d'un Cabernet Sauvignon d'un autre pays? Ce n'est pas pour donner une note pessimiste, mais étant présent dans 8 pays, il se fait que je connais les producteurs de vin, les principaux producteurs de vin de ces pays-là. Bon, il est incontestable que ces gens-là veulent accaparer le haut de gamme. Et quand on accapare un haut de gamme, on vise immanquablement Bordeaux. Ces gens-là produisent des vins absolument extraordinaires. Il faut que Bordeaux, qualitativement, continue à faire des progrès très importants, mais non pas importants, mais très importants. Et il faut que Bordeaux se fasse connaître mieux. Si on va ce soir déjeuner à New York dans un restaurant de moyen ou haut de gamme, on verra des gens qui, en regardant la carte des vins, qui vous offriront, dire voilà, tiens, on va prendre une bouteille de Harland, par exemple, en Napa Valley. C'est comme si ils vous offraient un Lafite Rothschild, un Mouton Rothschild ou un Pape Clément ou autre. C'est ça qui a changé. Ces vins-là donnent un standing à la personne qui offre, flattent l'ego de la personne, parce que Bordeaux n'existe plus. Nous sommes ici dans l'antre de Pape Clément. Alors Bertrand de Goth est rentré dans l'histoire sous le nom de Pape Clément en 1305, et il aurait reçu cette propriété en cadeau. Est-ce que vous pouvez C'est que quand il a été... Avant, Bertrand de Goth était archevêque de Bordeaux, et parce que Philippe le Bel ne voulait absolument pas un pape italien, il s'est arrangé à faire que... au moins un Français, un archevêque français devienne pape. Et donc il a choisi Bertrand de Goth, qui était archevêque de Bordeaux. Il n'a jamais été à Rome. Hein, et il s'est installé donc à Avignon. C'était le premier pape d'Avignon. Et c'est lui qui a construit la première partie du palais des papes. Et le fait d'arme, le fait d'arme, à mes yeux, très négatif du pape Clément V, c'est qu'il s'est associé avec Philippe le Bel pour exterminer les Templiers, et en 1314, donc, ils ont immolé sur la place du Temple à Paris Jacques de Molay, qui était le grand maître des Templiers, et vous savez, la fameuse histoire, Jacques de Molay, en terminant de brûler, si l'on peut dire, a dit « le pape mourra dans l'année, et le roi mourra dans l'année ».
Et le roi, le pape, et sont morts en 1314, au même titre, bien entendu, que le pauvre Jacques de Molay. Voilà. Donc en dégustant un verre de Pessac, Château Pape Clément, on a combien de siècles d'histoire? La première vendange, c'était en 1252. 7 siècles d'histoire. Si vous voulez, on va passer à la dégustation. D'accord. Pour mieux connaître. Tu as vu que je me suis débrouillé pour nous faire inviter à déguster. Donc, comme convenu, on va déguster à la fois un vin de Pessac Léognan, un vin de Graves. Et je vais tenter de vous montrer la différence qu'il y a entre un vin de Graves et un vin du Médoc. Alors, dans un cas, c'est le Château Pape Clément, qui est un grand cru classé de Graves. Et dans l'autre cas, c'est un Médoc qui s'appelle le Château La Tour Carnet, qui est un grand cru classé 1855 du Médoc. Voilà. On est prêt, Delphine ? Tu es prêt? Il faut retenir la leçon, c'est important. Prête. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, dans notre vie d'amateur, on rencontre tous les jours des personnes qui vous disent « Ah, je préfère un vin de Pessac à un vin du Médoc » ou l'inverse. Et on n'ose pas répondre parce qu'on pense toujours qu'on n'y connaît rien. Vous pensez vraiment que c'est facile de voir la différence à l'aveugle? C'est le terroir qui parle. Vous savez, comme a dit l'ami de Omar Buzet, le terroir, c'est le génie d'un vin. Et il a raison de le dire. Et le charme d'un vin, c'est le vigneron qui l'apporte, en portant tout l'amour qu'il peut au pied de vigne. Et quelquefois, ce charme-là, qui est le fruit de cet amour vis-à-vis d'un pied de vigne, eh bien, ça arrive à dépasser quelquefois le génie du terroir. Et là, c'est absolument extraordinaire. C'est l'harmonie extrême, voilà. Eh bien, nous sommes prêts à le goûter. Et donc, je vais ouvrir la bouteille. Alors, qu'est-ce que l'on a au nez en saveur type de Pessac et que l'on retrouve en particulier dans ce Pape Clément? Pour moi, le vin, ce qui est important, c'est ça plaît ou ça plaît pas, quoi, c'est tout. Hein. Moi, ce que j'aime bien, quand il y a un fond de bouche et que finalement, après l'avoir bu, on conserve quelques secondes ou plus ces arômes, ce goût en fin de bouche. Et là, je me dis, là j'ai de l'émotion. Pour moi, le vin que j'aime, c'est parce qu'il me donne les émotions que j'attends ou qui m'étonnent. On est impressionné souvent par un vin grâce au passé du vignoble, au passé, à l'histoire. Et plus l'histoire est profonde, plus l'histoire rappelle quelque chose, plus l'histoire est étonnante, plus le vin prend un certain contenu que n'a pas un vin sans aucune histoire. Delphine, viens, nous allons goûter ensemble ce qui a réussi à traverser les siècles. Un vigneron, il est fait pour quoi? Il est fabriqué pour quoi, un vigneron? Il est fabriqué pour faire le vin qui soit, non pas le meilleur vin, mais au moins le vin préféré. Alors vous travaillez avec...